Coucou la famille, j'espère que vous allez très bien et je suis en plein sport là. J'aimerais réagir sur le dossier Paul Pogba. C'est vrai que sur cette chaîne, on n'en avait jamais parlé. Information décalée, info décalée. Et des voix s'élèvent par rapport au dossier Paul Pogba. Il y a Sami Nasri qui est un ex-footballeur qui a fait carrière à Marseille partout, qui est contre Pogba, comme quoi même s'il doit se protéger contre des blessures, il ne devrait pas faire appel à un marabout, parce que Pogba, il est de religion musulmane, qu'il aurait dû faire appel à sa religion et non à un marabout. Parce que rappelons les faits, Paul Pogba a avoué avoir consulté un marabout, mais dans le cadre bien sûr de sa forme physique, comme quoi pour lutter contre les blessures et dans le cadre d'une association caritative et tout et tout, et non pas pour nuit à Mbappé. Et le dossier l'oppose bien sûr à son frère Mathias Pogba qui voit que son frère vient de signer récemment à la Juventus. Donc le gars a reçu une prime à la signature et il espérait que, bon, comme il a maintenant une prime à la signature, qu'ils vont partager, qu'il va leur donner maintenant de l'argent. Donc, comme son petit frère ne se manifestait pas, il a balancé ce dossier-là. C'est un truc de jalousie, au fait. Et récemment, Kylian Mbappé aussi a donné son avis sur le dossier, comme quoi Mbappé et Pogba se sont échangés. Et Mbappé a dit qu'il fait confiance totalement à son ami Paul Pogba. Parce que Paul Pogba lui aurait dit que bon, ce n'était pas contre lui. Donc lui, il soutient la version de Paul Pogba et non la version de Mathias Pogba. Vous voyez, c'est un peu ça le dossier. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'informations sur le dossier, voilà les quelques informations recueillies ça et là. La conclusion, c'est qu'il y a une jalousie au sein des frères Pogba. En tout cas, je ne devais pas tirer de conclusion, mais je tire de conclusion. Il y a une jalousie. Mathias Pogba est tout simplement jaloux de son frère Paul Pogba. Vous voyez? Donnez vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Informations décalées sur la chaîne. Mais je tenais à réagir ici sur la chaîne par rapport à cette information. Et prendre aussi vos avis par rapport au dossier. Ciao, ciao, bye, bye.